Serre France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'agriculteur. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Le Jardin de la Borde vous propose de cueillir vos fruits et légumes toute l'année. Vos salades, vos tomates, vos concombres, vos aubergines, vos fraises, vos framboises, suivant les saisons. Les consommateurs qui fréquentent le Jardin de la Borde souhaitent trouver des aliments qui soient sains, qui soient exempts de produits phytosanitaires, de produits chimiques et d'engrais chimiques. Et c'est ce que nous leur réservons. Depuis 20 ans, nous avons mis en place une agriculture raisonnée. Nous préservons la vie microbienne de nos sols. Nous n'apportons que des fumiers organiques. Je vais te mettre les pêches dessus, donc tu les cales, oui, dans le petit coin là-bas. Nous venons au marché depuis une dizaine d'années pour toucher une clientèle davantage urbaine. Donc c'est surtout pour faire de la communication et rencontrer une autre clientèle. Faut pas y faire de mal à ma salade, hein. Faut en prendre soin, hein. Moi j'en ai pris soin jusqu'à maintenant, hein. Bon. Allez, merci, bonne journée. Nous avons un projet depuis un an de poser des distributeurs automatiques sur la ville d'Auxerre pour être au plus près d'une clientèle qui ne fréquente pas le Jardin de la Borde. Tous les mois, nous organisons un événement. Alors ça peut être des promenades en calèche, ça peut être la visite du jardin, ça peut être au mois de février-mars, des week-ends crêpes. Ben, nous avons des clients qui aiment ce genre d'événement, qui aiment nous côtoyer, qui aiment discuter. Et pour nous qui sommes un petit peu la tête dans le guidon toute l'année, ça nous permet d'être auprès d'eux, de discuter, de répondre à leurs attentes et surtout de voir un petit peu ce qu'ils souhaitent. Les événements qui sont créés au sein du jardin permettent de créer du trafic toute l'année. Donc ça permet de lisser et d'éviter la basse saison. Ça permet de vraiment attirer les gens. Et donc la cueillette au jardin, ce n'est plus simplement une heure passée au jardin, ça peut être une après-midi récréative. Allez chef, je vous amène tous vos bons produits là. Du boulot. Du boulot. Hop là. Nous effectuons des livraisons tous les mardis et tous les vendredis auprès des restaurateurs de la ville d'Auxerre, mais aussi auprès de ceux de Chablis. Les services qui sont proposés aux restaurateurs et aux CE permettent aussi que ce soit les jardins qui viennent aux consommateurs et non plus l'inverse. Aujourd'hui, nous sommes en prise directe avec le consommateur qui vient chez nous. Quand nous travaillons avec des industriels, nous n'avons pas cette approche de leurs besoins. Les consommateurs aujourd'hui souhaitent consommer du local, souhaitent savoir ce qu'ils ont dans l'assiette, comment c'est produit. Ils font attention à leur santé et aussi à l'environnement. L'engouement pour le produire sain et local n'est plus à prouver aujourd'hui. Et aujourd'hui en proportion là, qui est issu du jardin, il y a les tomates, les aubergines, les courgettes. Oui, alors là. Je ne sais pas si tous les agriculteurs peuvent donner un service comme nous le faisons. C'est réservé malgré tout à des productions comme les nôtres ou à des produits transformés. Le métier de producteur, revendeur en vente directe est très très consommateur de temps.
De plus en plus d'agriculteurs souhaitent aujourd'hui se diversifier. Miser sur le service leur permet de créer la différence par rapport à une concurrence, que ce soit des distributeurs classiques ou d'autres agriculteurs avec des marchés locaux. Attention cependant à bien étudier le projet, parce qu'en effet, chaque service comme des livraisons qui est mis en place va requérir de la main d'œuvre notamment, et ces projets doivent être étudiés de façon à éviter et d'augmenter fortement la masse salariale sans rentabilité en face, ou alors de trop requérir le temps du chef d'exploitation. Il faut vraiment étudier le projet au global avec une étude et avec sûrement une étude économique à réaliser pour mettre en adéquation les moyens avec les objectifs recherchés. Notre avenir à nous, c'est de produire plus de variétés de fruits et légumes, c'est d'être toujours plus auprès de nos clients. Nous avons cet objectif-là d'être un lieu convivial où nous recevons une clientèle qui est quand même souvent une clientèle d'habitués. Voilà, la cueillette est finie. Bonne journée. Bonne journée. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'agriculteur. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.